Mademoiselle Rose Kaamelott. Oui, alors non, parce que votre tête ne va pas du tout avec votre odeur corporelle. Hein. Vous sentez quand même un peu la mort. Nous allons passer au comte Aristarque Ory. Gentiment pour vous cacher que en fait ça se passe dans un milieu assez religieux, très axé sur la chrétienté et compagnie. Vous allez faire énormément de tâches au milieu du tableau. Donc prochain candidat, Geek, Edelbert, Gunnar, Ahmed, José, Agoït. Bon, c'est quoi votre nom au final? Donc maintenant, voici mademoiselle Lénali Lee. Alors, vous êtes bien mignonne, mais en fait, vous faites un peu gourde. Donc, quelqu'un qui a une place importante, c'est pas terrible. Quoi. Donc, merci, on vous rappellera pas. Donc, après, mademoiselle, on va voir le frère. Donc, monsieur Komri Lee. D'avoir un personnage assez timbré comme vous, mais vous arrivez vous casser. Vous êtes même peu à tout casser de votre vie. Bon, bah, on va essayer hein, quand même. Prochain candidat, monsieur Titimic. Ah, au moins quelqu'un qui a une bonne présentation. Je m'en vais voir les petites femmes de Figaro. Toutes les nuits, j'ai feuillé les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un grand vin. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas douté que sa présentation était juste à planquer qu'il était super pervers en fait? Non, merci, au revoir. Bon, allez, on fait entrer les deux chevaux, la Jazz Bero et des Bito, on en finit. Il fait tomber avec des Bero comme ça, si on essaie de faire un chemin, on va se planter.